C'est l'heure des Market Movers aux USA et on va retrouver David Derry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste financier chez eToro. On va donc faire un point outre-Atlantique et on va commencer par un focus sur le Dow Jones. L'indice de Wall Street s'est quelque peu rassuré après les vives inquiétudes la semaine dernière sur l'éventuelle virulence du variant Omicron. Et donc ça va beaucoup mieux pour l'indice phare de New York. Exactement, il a rebondi un peu, il a rebondi un peu hier en début de semaine, après une semaine quand même assez compliquée la semaine dernière, où on avait perdu pas mal de chemin. Sur le Dow Jones, on était venu rebondir aux alentours des 34 000 points. Et puis sur le S&P, on était venu rebondir quant à lui aux alentours des 4 500 points. Et pour le Nasdaq, on était venu rebondir aux alentours des 15 500 points. Mais c'est vraiment le Dow Jones qui, pour le moment, reparle le plus rapidement parce qu'hier il gagnait presque 2%, il gagnait 1,87%. Et donc c'était la plus forte hausse si on compare par rapport au S&P qui lui en gagnait 1,17% et le Nasdaq qui gagnait 0,93%. On le voit aussi sur le graphique, hein, on est à 35 472 points, 34 565 points ce matin. Et donc on est en train de repartir, avec notamment des inquiétudes sur le variant Omicron qui commence à s'apaiser, notamment sur le fait des effets secondaires et des effets graves du variant, qui seraient moins importantes que les autres variants, que le variant Delta par exemple. Et donc on a des marchés qui commencent à être rassurés, qui commencent à repartir en hausse après justement ces dernières semaines de baisse. Alors, on va parler justement des actions en rapport avec le vaccin. Donc, on parle de Moderna, BioNTech. Eh bien, ces valeurs sont en phase de correction, notamment moins 13% pour Moderna et moins 18% pour BioNTech. Exactement, on en parlait justement la semaine dernière. On disait que depuis le mois de novembre, on avait assisté à un rebond justement sur ce type de valeurs, hein, sur des valeurs qui avaient été déjà pas mal délaissées depuis l'été, hein, depuis fin juillet, début août. On voit sur le graphique que c'est des valeurs qui ont été délaissées par les investisseurs. Puis en septembre, quand vraiment l'économie est repartie, les personnes se sont dit bon, le Covid est peut-être derrière nous. Enfin, c'était l'anticipation que les investisseurs avaient. Et donc on avait Moderna qui avait chuté, mais pareil pour toutes les actions du vaccin, et qui était reparti justement à l'annonce du variant Omicron. Par exemple, pour Moderna, on était venu, on avait rebondi un peu au-dessus des 200 $, hein, à 215 $. On était revenu remonter, on avait presque atteint les 400 $, on avait atteint un pic à 375 $, et puis on est venu corriger. Et puis ça fait maintenant presque 2 semaines justement où on est en correction sur les marchés, avec Moderna qui perd 13%. On parlait justement la semaine dernière de l'industrie des vaccins, en parlant notamment du copy portfolio Vaccine Med, qui est un portfolio qui regroupe justement les valeurs allouées sur les vaccins. Mais pour le moment, ça a du mal à repartir. C'est de plus en plus laissé de côté par les investisseurs, qui tapent désormais sur une reprise économique. Donc là, les mauvaises nouvelles, entre guillemets, les mauvaises nouvelles du variant Omicron, hein, comme quoi il serait pas résistant et que justement il serait plus facile à soigner que d'autres formes de Covid, a justement rassuré les investisseurs. Et donc on n'a pas que Moderna qui perd, on a aussi BioNTech qui fait partie hier des plus grosses baisses, comme vous l'avez dit, avec une baisse de 18,67% pour BioNTech. Et c'est un peu le même schéma que Moderna. On était reparti justement à partir du mois de novembre. Là, pour BioNTech, on était venu rebondir aux alentours des 205 $. Et malheureusement, on n'a pas réussi à garder cette tendance haussière. On avait rapidement dépassé justement les 350 $, hein, avec un point haut pour BioNTech qui se situait à 365 $. Mais pour le moment, on vient corriger, à voir si on va venir retaper justement les précédents supports,
et peut-être venir rebondir sur les précédents supports, sur ces valeurs. Donc, ce sera assez intéressant à suivre. Mais pour le moment, en tout cas, les valeurs des vaccins et donc les valeurs biotech en rapport avec le vaccin peinent à regagner à renouer avec les performances de manière stable et pérenne sur le long terme. Alors du côté d'Alibaba et Rivian, la configuration est tout autre, hein. Ce sont des actions qui repartent, plus 10,5% hier pour Alibaba et plus de 11% pour Rivian. Et enfin, pour Alibaba, j'ai envie de dire, parce que ça fait justement plusieurs mois, ça a été une année 2021 assez compliquée pour Alibaba. Là, on peut le voir justement sur le graphique, hein, qu'on a connu presque 10 mois justement de tendance baissière. Et on a enfin une bougie verte rassure peut-être un peu les. Qui pourrait rassurer un peu les investisseurs hein, sur Alibaba. Alibaba qui est dans la tourmente depuis que Jack Ma s'était fait arrêter, il avait disparu. Hein, on parlait de l'IPO de Ant Shares qui s'était d'ailleurs pas réalisé à l'époque et qui était censé être une des plus grosses IPO qui est la société de paiement d'Alibaba, notamment la société mère d'Alipay. Et donc, depuis cette nouvelle, Alibaba a peiné à renouer avec la croissance. Et là, justement, on a eu des nouvelles d'Alibaba. Donc, Alibaba qui est en train de travailler justement sur une réorganisation et qui devrait justement, d'ici les prochaines semaines, ils ont annoncé justement qu'ils remplaceraient le Chief Financial Officer, donc le directeur financier de l'entreprise, et qui serait en train justement de se réorganiser. Et donc ça rassure indirectement les investisseurs. En tout cas, hier, ça a rassuré les investisseurs avec une hausse de 10%. Donc à voir si maintenant Alibaba va repartir à la hausse. Mais comme on le voit, par exemple, si on regarde dans l'onglet recherche, on voit qu'on est largement en dessous des estimations des analystes, hein, parce que l'estimation faible pour Alibaba, elle était à 170 dollars. On est désormais à 123 dollars. Et donc, on est sur un consensus qui recommanderait un achat fort pour l'action. Bien évidemment, encore une fois, à prendre avec des pincettes, même si d'un point de vue personnel, je pense que dans ces zones-là, ça pourrait être un investissement sur du long terme, moyen terme, assez intéressant de s'exposer sur Alibaba. Et puis sinon, on a Rivian qui est cette fois-ci, pour ceux qui ne le savent pas, une société spécialisée justement dans les véhicules autonomes et qui gagne 11,57% hier, qui regagne 12 dollars, qui a rebondi justement au niveau des 100 dollars. Là, on voit qu'on n'a pas justement cassé les 100 dollars. On est venu réussir à rebondir juste un peu au-dessus justement de cette zone-là pour voir si maintenant on va repartir. Mais en tout cas, Rivian, qui intéresse beaucoup les investisseurs chez eToro, considéré comme un concurrent de Tesla. Et on sait qu'aujourd'hui, le secteur des voitures électriques, justement, plaît beaucoup. Donc, ce sera à suivre d'ici les prochaines semaines. Mais en tout cas, Rivian, qui fait son introduction en bourse, qui avait beaucoup monté, justement, après son introduction en bourse, hein, on avait atteint un plus haut à 180 dollars presque. Et donc là, avec le léger repli, ça pourrait être des zones d'entrée assez intéressantes pour ceux qui souhaiteraient justement s'exposer à l'industrie des véhicules électriques et qui souhaiteraient peut-être diversifier aussi, s'ils ont déjà du Tesla, avec Rivian Automotive. Maintenant, pour rappel, ça reste des actions qui sont très valorisées par rapport aux bénéfices qui réalisent. Et donc, restez prudent quand même si vous décidez d'investir sur ce type d'action. Préparez-vous à la volatilité.